Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire la correction de l'examen 2020, c'est-à-dire la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL pour les sciences physiques. Bien, exercice numéro. Donc, les condensateurs et les bobines constituent les éléments principaux de la plupart des appareils électriques et électroniques. Cet exercice se propose d'étudier la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL et à la fin l'entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Bien. Bon, premièrement, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le montage schématisé sur la figure numéro 1. Son montage comporte une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r, un conducteur ohmique de résistance grand R 90 ohms, un générateur de force électromotrice FEM de résistance interne négligeable et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant T est égal à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes C1 et C2 représentant successivement l'évolution de l'intensité du courant I de T traversant le circuit et l'évolution de la tension U de L au bord de la bobine. La droite T représente la tangente à la courbe C1 à T égale à 0, voire la figure numéro 2. Eh bien, vous aurez C1 et C2. La première question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de t s'écrit sous la forme dI sur dt plus grand R plus petit r I sur L plus est égal à E sur R. Donc notre schéma est le suivant. Donc comme vous le voyez, vous avez ici le courant, il est débité par le générateur. D'accord? Donc j'aurai à ce moment-là E, c'est la tension qui existe au bord du générateur. Ici, la tension I de R qui existe au bord de la résistance convention récepteur et U de L, la tension qui existe au bord de la bobine. Bon, on va maintenant choisir un sens de rotation, choix de l'amas. Et le sens positif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et comme vous voyez, E, il est positif, I de R négatif et U de L elle-même est négative. Donc, on applique la loi d'Emma ici. Donc, on aura ou bien la loi d'additivité des tensions. On a E moins U de R moins U de L égale à 0. Alors, on a U de L plus U de R est égal à E. On remplace U de L par sa valeur, c'est L dI sur dt plus petit ri. D'accord? Et U de R, c'est grand R I est égal à E. Donc on factorise avec grand R plus petit r, c'est la résistance totale du circuit, et vous obtenez ici dI sur dt égale à grand R plus petit r I divisé par L est égal à E sur L, et ça c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant qui traverse le circuit. Bien. Maintenant, deuxièmement, en exploitant les deux courbes C1 et C2, lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de R, la résistance interne de la bobine. Eh bien, donc lorsque le régime permanent est atteint, donc on a T égale à plus l'infini, alors I de plus l'infini est égal à constante. D'accord? Donc d de i sur dt, la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. Donc je peux dire à ce moment-là, u de L est égal à dI sur dt plus ri. Donc u de plus l'infini est égal à LdI sur dt plus rip. Puisque d de i sur dt est égal à 0, on l'élimine. Et il vous reste ici u de L est égal à rip. Donc je peux déterminer directement la résistance interne de la bobine. C'est i de L de plus l'infini divisé par ip. Bien. Donc, comment on fait pour déterminer le IP et de UL de plus l'infini? À partir de la courbe de C1, regardez, donc on aurait ici, ça c'est le régime est atteint, d'accord? Ici vous aurez IP est égal à 100 milliampères, donc d'après la courbe C1, on a IP est égal à 100 milliampères, d'accord? Ensuite ici, à partir de U de L, c'est à la courbe C2. Donc, comme vous le voyez, lorsque U de L tend vers plus l'infini, vous aurez ici cette valeur-là, c'est UL de P est égal à 1 volt. Donc, à partir de la courbe C1, on détermine IP. À partir de la courbe C2, on détermine UL. Donc, je peux écrire à ce moment-là, hein, UR est égal à UL sur IP. Donc, 1 sur 0,1, et vous trouvez la valeur R est égale à 10 volts. Donc la résistance interne de la bobine est déterminée à partir des deux courbes. R est égal à 10 ohms. Bien. Troisièmement, vérifier que L est égal à 1 henri. Donc on sait ici à partir de notre courbe, comme vous le voyez ici,
l'intersection entre la pente et l'IP. Donc vous obtenez ici taux est égal à 0,01 seconde d'après la courbe C1. D'accord? Or, on connaît que taux égal à L sur grand R plus petit r. À partir de ça, on détermine que R, L est égal à taux grand R plus petit r. Donc, taux, c'est déjà déterminé, c'est 0,01. La résistance grand R, c'est 90 plus 10. Et vous trouvez la valeur L est égale à R. Bien. Deuxièmement, décharge d'un condensateur dans un circuit RL. Voilà. On monte en série à un instant choisi comme nouvelle origine des dates T égale à 0. Un condensateur de capacité C totalement chargé avec la bobine précédente et un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 90. Voilà. Vous aurez les deux figu la figure. Voilà. La courbe de la figure 4 représente l'évolution de la tension U de C aux bornes du condensateur. D'accord, maintenant on vient d'introduire la résistance grand R et vous aurez la bobine elle-même, elle possède une résistance petit r, donc la résistance du circuit, la résistance totale, c'est grand R plus petit r. Bien, la question, quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure numéro 4? Eh bien, il est connu dans notre cours. Le régime mis en évidence par la courbe de la figure 4 est pseudo-périodique. Voilà. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U2C. Voilà, vous aurez ça. Donc, on aura le courant. D'accord? Voilà, la tension U2R. Voilà, la tension U2L. Et ici, vous aurez la tension U2C. D'accord? Donc, lorsque vous appliquez ici la loi des mailles, hein, on choisit le sens inverse du sens de rotation d'une aiguille d'une montre. Voilà, et on aura U2L plus U de R plus U de C égale à 0. On remplace U de L par sa valeur, c'est LDI sur DT plus RI. La tension en bord de la résistance, c'est RI plus U de C égale à 0. On factorise avec le I et on connaît que I est égal à CD de I de C sur DT. On le remplace ici, ça sera LCD sur DT de D de I de C sur DT. Voilà, plus RC. On remplace ici I par sa valeur, T de I. Et vous obtenez ici, là, c'est la dérivée seconde par rapport au temps, voilà, ça sera LC dérivée seconde par rapport au temps de I de C plus grand R plus petit r C D de I de C sur DT plus I de C égale à 0. On divise par LC, voilà, et on trouve l'équation différentielle hein, dans ce montage. C'est la dérivée seconde par rapport au temps de I de C, et la somme est égale à 0. Bien. Maintenant, ici, troisièmement, sachant que la pseudo-période est égale à la période propre, trouvez la capacité C du condensateur, on prend pi et carré, pi carré est égal à 10. Voilà. Donc, on a T, la pseudo-période presque est égale à la période, et on connaît que la période propre, c'est T0 de pi racine carré de LC. Donc, on enlève au carré, vous obtenez T carré est égal à 4 pi au carré LC. Donc, à partir de la courbe, je peux déterminer la période ici, T, est égale à 10 millisecondes, c'est-à-dire 10, 10 moins 3. À partir de ça, hein, C est égal T carré sur 4PL. Graphiquement, on a déjà déterminé T égale à 10 secondes, millisecondes. Application numérique, on trouve C est égal à 2,5 microfarad. Bien. Troisièmement, entretien des oscillations dans un circuit RLC série. Pour obtenir les oscillations électriques dans le circuit précédent, représenté sur la figure numéro 3, on insère dans ce circuit un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant U de G est égal à KI, figure 5. D'accord? La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité I de T dans le circuit dans le cas où K est égal à K0. Voilà. Vous aurez la figure 5 et la figure numéro 6. Et comme vous voyez ici, il y a l'entretien, c'est-à-dire on garde toujours la même valeur. Donc on passe de régime pseudo-périodique au régime périodique. Bien. Bon. Troisièmement, premièrement, trouver le système international, trouver dans le système international SI l'unité de la valeur de K0. Voilà. Donc on a notre système ici. L'intensité et la tension I de C. Ici, vous aurez U de R. Ici, on a U de L. Et ici, on a U de G. Voilà. Lorsque j'applique ici le sens de rotation, la loi des mailles choisie dans le sens inverse de sens des aiguilles d'une montre, sens positif. D'accord? Donc, je peux écrire que U de L
plus U de R plus U de C est égal à J. Je viens d'entretenir le système RLC par un générateur. D'accord? Je remplace U de L par sa valeur, c'est LDI sur DT plus RI. Voilà. Et je remplace grand R U de R par RI. Voilà. Et je détermine U de G, c'est KI. Donc, on factorise. D'accord? Et je vais prendre ici I est égal à CD de I de C sur DT. Voilà. Je remplace ici le U de G, KI. Je vais le sortir de l'autre côté avec moins KI. Donc, on va obtenir ici le système qui permet de faire l'oscillation ici périodique. Elle est là. Donc, comme vous le voyez ici, pour obtenir. Comme vous le voyez, pour obtenir les oscillations sinusoïdales, il faut que grand R plus petit r moins k égale à 0, parce que le terme qui est responsable à l'amortissement, c'est le terme dans lequel il y a la résistance. Donc tout ça est égal à 0 et vous obtenez la dérivée seconde par rapport au temps de capacité de condensateur plus U de C sur S égale à 0. Donc K égale à grand R plus petit r est égal à son temps. L'unité dans le système international est le ohm. Bien. Maintenant, deuxièmement, sachant que l'expression de l'intensité ITT dans le circuit s'écrit I de TIM cosinus de 2π sur T0 T plus phi, hein, déterminer la valeur de I de M T0 et phi. Voilà. Et on a I de T est égal à I de M cosinus de π sur T0 T plus phi. D'accord? Graphiquement, regardez, hein, l'intensité du courant, on peut le déterminer directement, c'est 8 I de M est égal à 8 milliers ampères. Donc je peux déterminer I de M égale à 8 milliers ampères. D'accord? Ensuite, T égale à 10 millisecondes, c'est déjà fait dans la question précédente. Maintenant, on a déterminé ici I de M et phi. Donc on a dit que T0 est égal à T. Donc T0 dans notre cas est égal à 10 milliers ampères. D'accord? Donc à I égale à 0, on a I de M est égal à 0. C'est-à-dire, regardez ici, un instant T égale à 0, l'intensité du courant I est égale à 0. Donc on aura I de M cosinus de phi est égal à 0. Bien. Je ferai la dérivée ici de I. Donc on a phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Bon, cosinus de phi est égal à 0, donc phi égal à plus ou moins pi sur 2. Donc on va sélectionner entre les deux phases. Donc on va faire la dérivée de I par rapport au temps. Et comme vous le voyez, lorsque je ferai la dérivée par rapport au temps, le coefficient directeur ici, elle est négatif. D'accord? Donc je peux écrire à ce moment-là, d de i sur dt, c'est moins i de m de pi sur t0 sinus de pi sur t0 t plus phi. D'accord? D de i sur dt par rapport au temps, un instant t égal à 0, elle est négative. Donc cette expression, tout ça est égal à négatif. Pour obtenir ici le terme sinus de phi est positif, d'où phi est égal à plus pi. Donc, on va obtenir ici I de T est égal à I de M cosinus de pi sur T0 T plus pi sur 2. Donc, I de M, elle est connue. T0, c'est déjà I de M, c'est 8 milliampères. T0, c'est 10 millisecondes. Et la phase phi est égale à pi sur 2. Bien. Troisièmement, déterminer l'énergie totale ET du circuit. Voilà. Donc, l'énergie totale ET du circuit est constante. D'accord? Puisque ici, on a un régime périodique et non pas impériodique, car la résistance du total du système est égale à 0. Hein? On a entretenu le système. Donc E total, c'est E électrique plus E magnétique, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc on a I de C est égal à si I de C est égal à 0, alors I de M est égal à plus ou moins 8 milliampères, c'est-à-dire le condensateur est complètement déchargé, alors l'intensité du courant plus ou moins I de M était plus ou moins 8 milliers ampères. Donc, le condensateur, l'énergie emmagasinée dans le condensateur 1 demi C, I de C est égal à 0, car I de C est égal à 0. Et il vous reste ici, l'énergie totale est égale à l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc, je peux dire à ce moment-là, E de T est égal à E de M, est égal à 1 demi L I de M au carré. Et I de M, c'est déjà déterminé, c'est 8 milliampères. Donc, on trouve la valeur de E total est égal à 3,2 10 à la puissance moins 5 joules. Bien, quatrièmement, trouver l'énergie E électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 est égal à 16 millisecondes. Eh bien, on a T1 est égal à 16 millisecondes. ET, c'est E électrique plus E M. Donc, on peut déterminer E électrique est égal à E total moins E de M.
Donc, E total, c'est déjà déterminé, c'est 3,2 10 à la puissance moins 5. EM, on va le déterminer à l'instant T1, est égal à 16 millisecondes. Voilà. Donc, ici, on remplace ici E de M par sa valeur, c'est moins 1 demi LI max au carré. D'accord? Je vais maintenant déterminer ici l'intensité graphiquement. On a à l'instant T1 est égal à 0. Ici, il n'y a pas le I max. D'accord? Ici, c'est I de M. I seulement, parce que I de M, c'est déjà 8 milliampères. Donc, I en fonction à l'instant T égal à 16. Je prends la courbe. Voilà. Donc, on aura un instant T est égal à 16. Ici, vous aurez 15 millisecondes. 15 millisecondes. Et ici, 16 millisecondes. L'intensité qui le correspond, voilà. Comme vous le voyez, ici, I1 est égal à 4,8 milliampères. Je vais remplacer ici la valeur. Ici, on a, trouve I1 est égal à 4,8 milliampères. D'accord? Bien, je le remplace par sa valeur. Donc, E de T, c'est 3,2 10 moins 5, moins 1 demi fois L, c'est l'Henri 1 pour l'inductance de la bobine. Et ici, 4,8 10 moins 3. Et on trouve la valeur de E total, E électrique est égal à 2,5 10 à la puissance moins 5. Merci de votre attention et à bientôt.